se réveille moins bête ce matin avec Sébastien. Salut mon Sébastien. Salut tout le monde. Comment ça va? Ah, ça va, pardon, j'ai eu un petit retard de décrochage. Pas de problème, t'es en duplex d'où de Hong Kong. Il est tôt. Mon Seb, bienvenue sur Europe 2. Tu fais quoi dans la vie? Je suis transporteur en VL pour des petites livraisons rapides. En VL. En VL. T'es déjà au boulot là? Je suis en train de laver la voiture. Ok. Mon Seb, écoute bien la question que je vais te poser. 78% des hommes trouvent qu'une femme qui en porte la rend plus sexy. De quoi s'agit-il? De quel objet on parle? Ouais, moi je penserais plus à une mini-jupe ou une robe moulante. Une mini-jupe? Non, c'est pas ça. On parle d'un accessoire. Diane. Une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles, non. T'as envie de draguer une femme avec une bague de fiançailles? Non mais moi je trouve. Tu dis que c'est comment la femme se sent sexy. Moi personnellement, le jour, enfin, par exemple, parfois je mets des bagues et je mets même sur le doigt sur lequel je vais être mariée. Et je sais pas, je trouve que ça rend sexy, ça donne de la confiance en soi. Il y a un truc vraiment powerful de porter une bague de mariage ou de fiançailles. C'est vrai que c'est powerful. Fabien, est-ce que t'as une idée? Alors moi je vais te proposer un truc qui est moins powerful, c'est sûr. Mais moi je pensais à un truc qui rend sexy, mais en tout cas qui me touche moi beaucoup, c'est quand une femme a une black card. Ça me et que je sais qu'elle va payer la moitié de la dîme. Tu t'assumes que t'es une petite michto maintenant. Non, mais c'est rassurant, il y a un côté rassurant, un côté powerful comme tu dis Diane. Yannick. Moi j'avais un piercing. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose, un accessoire qu'on peut mettre sur le visage mais qu'on peut enlever. Oui Diane. Du rouge à lèvres? Non. Sur le visage? Oui. Une bétonnière, non? Un indice, je porte cet accessoire. Ah non. Tu portes cet accessoire? Seb, est-ce que t'as une idée? Du vernis. Non, bah non. Du vernis, non, c'est pas ça. Si, du vernis pour le nez. Est-ce que ça serait une casquette ou tu le portes maintenant? Non, je le porte maintenant. Des lunettes? Oui. Bien sûr, 78% des hommes trouvent qu'une femme avec des lunettes, ça la rend plus sexy. Ah oui, bah d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on a la preuve ici, c'est que Diane n'a pas de problème, mais pourtant elle porte des lunettes quand même. Ah bah elle les met tout de suite là. C'est vrai, c'est un accessoire de mode. Tout à fait, je suis d'accord avec ce point. Et est-ce qu'il y a un accessoire qui vous émoustille un peu, Fabien? Moi, il y a un accessoire. Bon, ça, il est encore l'heure, les enfants sont pas encore réveillés. Moi, c'est les petits bas. Les filles, tu sais, des fois, elles mettent des balles un petit peu sexy. Ah ouais. Non, je vois Yannick qui me regarde. Toi, t'es premier degré, hein, tu nous dis si t'excites vraiment. Non, mais d'ailleurs, il y a le producteur qui me regarde, Yannick. Ah, c'est vrai que excuse-moi, j'étais pas très clair. Moi, c'est des petits bas quand c'est les femmes qui les portent, Yannick. Non, je vois le sourire qu'il a derrière. T'as pas mangé au petit-déj ou quoi, toi? Attends, qu'est-ce que je porte là? Non, Seb, c'est bon. Qu'est-ce qui t'excite, toi? Qui? Sébastien, Seb. Ah pardon, j'avais pas entendu mon prénom. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien les bottes qui montent, pas jusque en haut des cuisses, mais quelque chose qui met les jambes en valeur. Ah, des cuissards de pêche, j'entends bien. Yannick. Alors moi, ça va être assez étrange, mais j'adore les garçons qui portent des montres à gousset. À gousset? Ah oui. Mais attends, je trouve que c'est quoi les montres à gousset? Mais attends, t'as une montre à gousset quand t'as 87 ans. Non. Mais c'est quoi une montre à gousset? Mais c'est les petites montres comme ça, c'est la montre de Alice au Pays des Merveilles. Oh, c'est quoi? C'est pour Tintin. Ouais. C'est à cause de Tintin, parce qu'il est en fantasme sur Tintin. Ah oui, c'est vrai qu'il est fan de Tintin. Ça va pas toi? Non mais j'aime les montres à gousset, j'ai le droit d'aimer les montres à gousset quand même. Diane, c'est quoi l'accessoire qui rend une personne sexy toi à tes yeux? J'aime bien le parfum. Je suis très sensible aux odeurs. Mmh. Ouais. Parce que je sais pas, je trouve que tu vois ça, je sais pas, ça réveille quelque chose en toi quand tu te sens à l'aise avec l'odeur de la personne. En général, c'est que c'est bien. T'aimes bien mon parfum par exemple? Tu sais ce que c'est? On en parle en salle tropicale. C'est femme parisienne. C'est quoi? Femme parisienne. Ça existe ça? Ouais. Eh ben regarde, femme parisienne, viens à toi. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.